Oh oui, c'est mon bébé, ça. Oh là là, qu'elle est belle, c'est mon bébé. Toc-toc. Ah, j'ai entendu toc-toc. Mais, oui. Mais qui voilà-je? Oh, je reconnais cette voix. Oh, coucou Lola. Wow. Surprise. Attends, t'as capturé le Yiling? Eh oui. Oh la vache. Oh, il se gratte. Oh, tu lui as monté des points de vie, non? Ou t'as eu un trajet un peu tumultueux? Oh, les deux. Oh là là, bah je t'en prie, rentre, viens prendre un café, j'ai plein de choses à te montrer. Ah, bah nickel, j'ai hâte de voir ça. Bienvenue, Lola. Yo les amis, c'est Patch Curtis. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Aberration. Et aujourd'hui les amis, j'ai une visite surprise, ça fait plaisir. C'est parti. Alors les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est en forme. Et toi Lola, comment tu te sens? Bah ça va bien et toi? Un peu malade, hein, je te mens pas. Ah ouais? Mais ça va mieux. Ouais, okay, ça va mieux. Ok, tu nous présentes cette jolie petite bête en plus bleue. Oh là 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 là. Alors les amis, Lola, elle me régale sur cette série parce que le Yiling bleu, et c'était quoi? C'était le ravageur bleu aussi que t'as sorti. Oh là là. Oui, oui, c'est vrai. Waouh. Et toi, je vois que tu as une belle Cosmo violette sur ton épaule et un beau Redrek violet. Ah oui, ça c'est Diego, ça. Ça c'est mon petit Diego, ça. Oh. Eh oui. Enchanté. Oh mince, oh bah. Pardon. Oh bah super. Oh bah, oh, j'ai là du goût. Oh non, après tout ce que non, t'as vécu, quoi. J'ai eu un réflexe, désolé, c'était un oh, le pauvre. Oh la vache. Oh la maltraitance animale. Bon, alors, je vais te présenter mon Rock Drake, mais reste à distance quand même. Hein. Ok. Alors attends. Voici cette beauté. Et regarde, encore une fois, couleur de la chaîne. Magnifique. Ah, il est magnifique. Ouais, hein. Je te la mets à la lumière. Il a nos deux couleurs, quoi. Alors, c'est une femelle. Attends, Mégalosaure, écarte-toi, tu la gênes. Et donc, j'ai eu plein de noms dans les commentaires. Et du coup, j'ai choisi... Alors, il y avait beaucoup de noms, mais du coup, j'ai choisi Hope. Parce que pour une femelle, ça va bien. Et étant donné qu'on y avait mis beaucoup d'espoir dans cette descente, et que franchement, c'était pas gagné d'avance, et on est resté solide... Donc voilà, je trouve que Hope lui va très bien, ça veut dire espoir en anglais. Et, et voilà, on avait beaucoup d'espoir, beaucoup de courage et beaucoup de panache. J'ai hésité entre Hope et panache, donc, non, donc Hope, voilà. Hope c'est mieux. Ouais, Hope ça rend ça super. Ça va mieux avec sa couleur. Exactement, aux couleurs de la chaîne. Voilà, je suis vraiment trop content. Et quoi. Aux couleurs de ma salopette. Et ouais, c'est vrai qu'elle a du mauve aussi. Hein. Attends, je regarde la couleur, mais ouais, 49 mauve. Ouais. Voilà, donc trop bien. Trop bien, trop bien. Mais je t'avoue que je vais pas descendre dans la faille à Rock Drake avec pour aller rechercher un deuxième œuf, Lola. Parce que je ne veux pas la perdre. Voilà, c'est celle-là, je veux la garder à vie. Parce que c'est la première fois que je vais chercher un œuf de Rock Drake. Et surtout de cette manière, les amis. Et encore une fois, merci pour tous les retours. Parce que je reçois encore des messages hein, sur cette vidéo. C'est vrai que, voilà, j'ai vu que ça avait inspiré beaucoup de personnes. Et que maintenant, les gens vont s'amuser à faire des défis pour aller chercher des œufs de Rock Drake. Donc voilà, ça me fait plaisir de mettre ma petite patte comme ça et de vous inspirer, les amis, petits ou grands. Donc voilà, ça fait plaisir. Et toi, Lola, tu vas bientôt chercher un œuf de Rock Drake? Oui, mais je voulais y aller en mégalosaure, moi. Ouais. Est-ce que tu veux y aller avec moi pour un premier ou est-ce que tu veux y aller toute seule? Non, je vais y aller toute seule. Ouais, toi, t'es une vraie... Allez, toi, t'aimes te lancer des défis. Hein. Oh là là là. Mais là, faut que je retame une Cosmo haut level, parce que... Bah, va quand même peut-être pouvoir me servir, je sais pas, dans la faille. Ah, mais attends, j'ai un petit cadeau pour toi, Lola. Viens par ici. Alors, les amis, je viens de faire éclore deux petites Cosmo magnifiques pour faire un joli petit cadeau à Lola. Et ici, Lola? Oui. Viens, oh, voilà, regardez, les amis. Regardez comme elles sont belles, la descendance de Diego, deux petites babies. Et vous souvenez les amis que je cherchais pour ceux qui ont regardé l'épisode Breeding, on avait sur les petites patounes encore une couleur naturelle ici sur la patte. Et je cherchais justement à retirer cette couleur naturelle et j'avais justement cette petite couleur ici en 192 bleu que je cherchais à faire venir du coup sur les descendants de Diego. Et voilà, et là on l'a. Donc là, elle est vraiment complète, celle-là. Et Lola, bah, je te l'offre.
Voilà, il y a un mâle et une femelle. Oh. C'est celle qui est à ta gauche, la femelle. Elle est juste ici. Je prends la petite femelle. Vas-y, prends-la. C'est cadeau. Merci beaucoup. Ben, y a ah, pas c'était de trop soucis. Plaisir, elle est trop belle. Elles sont trop belles, hein. Voilà. Elles sont incroyables. Ouais, et je viendrai en offrir aussi sur le serveur comme eu des petits descendants de Diego. Parce que celui-là, c'est devenu une petite star du net, hein. Oh, la vedette d'Internet. Ah, ben, ah, ah bah oui, oui, oui. Ah bah, elle a tout pour plaire, hein. Ah bah oui, oui, oui. Donc voilà, et celle-là, du coup, je vais la faire grandir un petit peu plus tard parce que Lola, j'ai envie de t'emmener en promenade. Tu sais qu'on peut monter à deux maintenant sur Rock Drake ? Ah, mais trop bien, allons tester ça tout de suite. Et bah, let's go. Alors attends, est-ce qu'on se prend quelques petits outils, quelques petits trucs ? Ouais, on va s'équiper, les amis, et on va aller faire un petit tour avec Lola. Ok Lola, allez grimpe sur Hope. Let's go. Et tu sais que j'avais complètement zappé qu'on pouvait monter à deux. C'est trop bien. Bah ouais mais c'est trop cool. Moi aussi j'avais complètement zappé, je savais pas. Bah déjà j'ai pas de road drake donc j'ai pas pu voir la selle. Ouais ouais ouais. Bon bah c'est parti. Let's go. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Waouh. Ah ça change tout. Ah carrément. Ça change tout. Regarde, en combien de temps je vais être chez toi, ça va être super rapide. Hop. Ah, c'est bien, c'est que là, maintenant, ça prend le pas sur le planeur. C'est pas mal. Alors, sauf si... Ouais, alors... Là. Voilà. Non, c'est bon, t'inquiète. Ah alors, oui, je comprends pas trop ce qui se passe, ouais. Mais... Alors, moi, on m'a dit que sur le Rock Drake, il fallait monter les points d'énergie dans les commentaires. De manière à planer le plus longtemps possible et tout, quoi. Ah bah oui. Ouh là là, attends, il y a des raptors. Tu sais quoi, on va tester un peu son attaque. Alors, l'attaque, c'est vraiment pas... C'est sa stat la plus basse. C'est pas là-dessus qu'elle va être forte, mais... Oh, quand même. Quand même, hein. Ça reste convenable. Ah, c'est bien. Très bien. Et en plus, on va pouvoir la faire XP. Donc, on va pouvoir s'attaquer un petit peu à tout. Hop là, allez, c'est parti. Yes. J'ai failli rater le planage encore. Oh, des basiliques en bas. Double basilic. Ah, et j'ai pas de mégalosaure sur moi en plus, hein. Oh, triple basilic, il y en a un troisième ici, non, c'est une blague. Regarde, deux ici, et un ici. Oh là. Il y a un 120, il est costaud, mais sinon niveau 40, tu le manges. Ouais, ouais, ouais. Alors, les amis, je sais pas si je vous ai dit en début d'épisode, mais on va pas faire les fous avec Hope, parce que comme... oh, mais regarde, c'est ta maison, ancienne maison. T'avais pas des dinos à récupérer? Mais je les ai déjà récupérés, tu noteras qu'il y a plus rien dedans. Ok, très bien. T'as bien fait de te barrer parce que regarde, encore un basilic ici en face là. Oui, oui. Effectivement, oui, t'as bien fait de t'enfuir, ma petite Lola. Et je disais, ouais, il faut pas qu'on fasse les fous avec Hope parce que Hope, on en a qu'une. Et pour moi, ça va rester vraiment un souvenir sur Ark, autant dans la manière que j'ai été la récupérer et aussi le fait que ce soit la première Rock Drake. Et en plus, avec les couleurs, donc celle-là, elle est un peu emblématique quoi maintenant. C'est comme Diego. Diego, maintenant, on va peut-être se servir de ses descendants, on verra bien, ou voilà. Mais il y a des dinos comme ça, il faut en prendre soin. Voilà. Il faut les garder près de nous. Et voilà, donc on n'ira pas dans la faille chercher des œufs avec, mais vous inquiétez pas, on ira en chercher d'autres. Et une fois qu'on aura des repros, là, on va se faire plaisir. Donc on arrive au niveau de la zone bleue. Lola, on n'est pas très loin de chez toi. Oui. Oula. Là. Et d'ailleurs, j'ai oublié de récupérer ta muta bleue sur les ravageurs. Ouais, j'ai un peu le... Ouah. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la nausée, hein. T'as le mal de l'air? Ça tourne, hein, ça tourne beaucoup derrière. Ah ouais, elle est comment la vue derrière? Ah, je comprends rien de ce qui se passe, mais sinon c'est très joli quand tu restes immobile comme ça. Ah ouais? Ouais. Ok. Alors attends. Wow. C'est beau, hein. Je suis à droite, moi. Oh là 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 là, c'est magnifique. Hop, c'est quand je fais une accélération que tu vois plus grand chose? Ah, c'est quand tu te mets à l'envers, il y a ma tête qui craque et... Oh. Bon. Ah ouais, d'accord. Eh, c'est beau ici. Ah, c'est très physique le road drake, hein. Ah oh bah oui, c'est sport, hein. Et va falloir que je m'entraîne, hein. Alors attends, je vais quand même l'alléger. Hop, on va récupérer la peau. Ouais, ça va, elle a pas grand chose. Oh là là. Très bien, je vais lui remettre des points d'endurance, hein, du coup, hein. L'endurance, stamina. Hop, voilà. Oh. Attends, je suis pas dessus, hein. Attends. Attends, j'ai envie de la voir dans le biome bleu, voir comment qu'elle est belle. Oh là 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 là. Elle est trop belle.
Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Allez. Voilà, c'est ça, aberration, les amis, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai oublié encore de prendre une pelle. Il faut absolument que je prenne une pelle. Oh là là. Ouh. Alors, on t'oublies va où toujours un truc, hein, c'est... Bah, tu veux récupérer la muta ou pas, du coup, du ravageur? Oui, il faudra qu'on repasse chez toi après. Bah, je te propose qu'on fasse une petite balade d'abord. Alors, tu sais que ça, comme dino, ça me fait penser au varan émeraude. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est un Varanus Prasinus. Et là, ça y est, là, j'ai perdu la moitié des viewers sur le Varanus Prasinus. Mais en gros, c'est des petits varans assez fins, verts, très intelligents et très jolis. Et dans le déplacement, du coup, ça me fait vraiment penser à un petit varan, quoi. Donc voilà, Lola, je suis en train de me dire que j'aimerais bien trouver éventuellement un deuxième bébé Karki. Patch, juste en face, il y a un petit bébé Karki. Ah oui, ça y est, je le vois, je le vois. J'avais du mal à le voir, ce petit. Karki 115. Est-ce que c'est une femelle? Voyons voir ça. C'est un mâle. Ah, c'est un bébé mâle. Il a l'air bleu un en plus. Un mâle 115. Hein. Ouais. Ah. Ouais, c'est un peu dommage. Non, il est pas bleu, il est... Bah, il est mauve encore, mais ça va pas, oui. Ah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bleu et de mauve hein, sur cette map. Ok, non, ça va pas, il me faut une femelle, Lola. Il faut qu'on continue les recherches. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a un petit romain juste à droite, si tu veux. Ouais, non, ça va, non. Non, ça va. Tu vais pas t'aimer ton pied romain. Non, je te laisse cette spécialité, Lola. Oh, regarde comme c'est joli, Lola, ici. Oh, c'est super beau, on est où là? Oh là! C'est incroyable! Oula! Oula, allez, tape! Ok. Oh la vache, il y a des nameless avec. Oula vache, il va falloir qu'on puisse se renvoler avant de plus avoir d'énergie. On n'a pas de lumière. Et plus d'énergie. Oula vache. Bah, c'est pas grave, bouge pas, tu vas tanker un petit peu, puis après tu vas t'accrocher sur les rochers. Ouais, très bonne idée. Hop. Voilà. Ouh. Ok, vas-y doucement. Vas-y doucement. Attends, elle est toute bébé encore. Hein. Elle est adulte, mais bon, c'est un bébé dans un corps d'adulte. Hein. Regarde, elle est encore un petit peu pâteau. Et puis son maître ne sait pas encore très bien la piloter. Mais ça va venir. Voilà. Là, au moins, elle est saine et sauve. Et je disais, du coup, mais c'est grave joli ici. Bah oui, c'est trop beau. Et par contre, il y a une apparition de Nameless, donc ça, c'est dommage, mais... Ah bah, ça gâche un peu tout, hein. Ouais, c'est dommage, parce qu'en plus, la lumière est blanche. Ah, j'étais déjà en train d'imaginer déménager, là. On a tout pris, sauf des dinos de lumière, quand même. Hein. Et ouais, c'est vrai, ça. Attends, c'est incroyable de faire ça. Bon, alors Lola, j'ai aperçu un petit crabe et je crois que le parent vient de mourir car il a l'air tout seul, il n'y a pas de parent autour. C'est le moment ou jamais de choper un petit crabe, mais je me fais harceler par les Nameless. Je ne peux plus les voir. Alors attends, peut-être que si je les occupe... Attends, allez hop, allez vas-y, bon, hop. Il faut qu'on aille super vite en fait. Ouais. Il est où? Ok, je le vois, mais il y a un croco à côté. Je sais pas si... Hop, va pouvoir tenir. Ouais, il lui reste plus que 4000 points de vie. Oh là là, Arthroplera. Oh là 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 là. On va reprendre de la hauteur, mais ça va pas être évident là de faire ça là. Je me tâte à y aller avec la... Ah, mais attends, j'ai une idée. Lola. Oui. Je te laisse. Hop. Ok. Oh là, vas-y. Qu'est-ce que tu fais pas là? Prends-la en pilotage. Oh là là là. Oh. Je sais pas piloter ça, moi. Hop. Moi, je pars en mégalosaure. Je reviens. Il faut absolument que je récupère ce bébé. Je crois que c'est une femelle. Et en plus, il n'y a plus de parents. Donc là, franchement, elle attend l'adoption. Hein. Elle est où? Ouah, les Nameless. On oublie tout le temps. Hein. C'est pas la première fois. Hein. Moi, en tout cas, j'oublie tout le temps de prendre un dino de lumière, c'est incroyable. Pourtant, je les adore, j'en ai plein à la maison, mais je pense jamais à les prendre. Bon, allez, bouffe ça. Voilà. Ah, je vole crabe, il saute. Alors, il y a un plan. Il y a clairement un plan.
c'est qu'à la limite. Oh là 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 là. À la limite, tu... Attention, 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 il y a des trucs électriques là. Des lampes proies. Ouais. Je crois que c'est ça. Je vais juste prendre l'agro des Nameless pour que tu puisses prendre ton. Ouais, bébé. Ça, ça peut être top. Ça, ça peut être tip top. Ah, c'est des lampes proies, ouais, c'est ça. Ok, je les bouffe. Eh, hey, ils m'ont récupéré plein de pétrole aussi. J'avais oublié qu'on pouvait récupérer du pétrole ici comme ça. Perle de silice aussi, c'est cool ça. Ouais, mais c'est pas trop le moment là. Ouais, carrément, carrément. Alors attends, j'y vais. Allez, c'est parti. Le tout pour le tout. Allez, c'est parti. Baby Carquinhos, maintenant. Maintenant. Ouais, c'est fait. Je cryo, je cryo, je cryo. Je me fais électrocuter. Ah. Du coup, je peux pas trop là. Attends. Attends. Voilà, bon. Maintenant qu'il est à nous, on lui fera plus de mal si on croque. Donc ça, c'est bien. Il y a plein de trilobites. Oh là là, je me mets bien. Oh, je me mets bien. Ça va, toi, avec gros ? Il y a un Nameless qui arrive. Ouais. Ouais. Ah oui, je le vois. Ok, ok, ok. Ok, faut juste pas qu'il se fasse attaquer. Voilà, je pense que c'est bon, là. Ok. Allez, je tente de le récupérer. Tout va bien. Tout va bien, mon petit. Ah. Ça a pas l'air d'aller tant que ça. Il est encore choqué de l'attaque. Hein. Oh purée, il a encore pris un coup. Oh là là, encore des Nameless. Encore des Nameless. Ne t'approche pas, hein. Oh la vache, ne t'approche pas. Ne t'approche pas avec Hope. Si je dois y rester, Lola, prends soin de Hope, d'accord? D'accord. Dis-lui que je l'ai aimé très fort. T'inquiète, elle va très bien. Hein. Ok. Ok, 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 ok. Ok, où il est où mon crabe? Je crois qu'il est mort. Quoi? Ouais, tu l'avais claim? Oui. Ouais, il est mort. Ah! Oui. Oh non! Ouais. Mais moi, je peux pas le croquer. Bah, il est mort d'un électrophosaurus, je sais pas quoi. Oh non, t'as vu la notif? Oui. Oh, rip. Bon, bah tant pis, c'était une femelle. J'aurais pu mais faire de la recroix avec. Que ça soit elle, mais bah du coup, il y avait que. Bah, ouais, bah ouais, bah c'est tout. J'en peux plus des Nameless, hein, j'en peux plus. Moi, je me barre. Je me barre. Je me casse. On va essayer de retrouver un autre bébé, c'est pas grave. Ouais, je vois qu'il y a un autre carquis en face. C'est pas ça joli, qui manque, hein. Je vois qu'il y a un autre carquis en face, je vais voir s'il a pas un bébé à tout hasard. Et puis sinon, bah c'est tout, on rentrera à bredouille. Non, il a pas de bébé. Je me barre, non, carquis, désolé, hein, j'ai pas le temps de sympathiser. Waouh, où est-ce que je vais là? Mais je suis un malade moi. Attends, attends, je suis en train de faire une boulette là. Oh la vache. Je... Ouais. Oh la vache. Mais je vais droit vers ma mort. Ah ouais, je te suis mais je suis sur la roche. Ouais hein. Alors suis-moi de loin. Hein. Je vais essayer de remonter. Sans me battre. Bah de toute façon tu peux te battre avec le mégalosaure que t'as. Oh là là, puis les Nameless. Ouais mais bon, j'aimerais bien le cryo quoi, c'est ça quoi. Il faut que je trouve un petit spot où les Nameless ne me toucheraient pas. Ah, t'es là, salut, ça va? Ouais. Ça va et toi? Ouais, ça va, je remonte, je remonte. Je vais aller mettre sur le rocher, là. Parce que ça a l'air bien. Voilà, ici, je me ferai pas attaquer. Ok, c'est bon, je vais prendre le cryo. Ah, bah j'ai pris une note. Ah ouais? Ah bah super, ouais. Ça va faire XP Hope, c'est bien ça. Allez, les Nameless sont en dessous de Hope, mais de... Dépêche-toi, le mégalo. Il faut vraiment qu'on mette un mode pour les cryos, hein. C'est chiant, ça. Ouais. Ah non, t'as pas partir, j'arrive. Ah, t'as réussi à t'enfuir? Mais oui. Ah, mais je croyais que t'allais... Je croyais que c'était compliqué, là. Non, c'est que je tanque, en fait, le temps que... Ah, ok. J'étais en train de tanker, mais je peux repartir quand je veux, du coup. Ok, attends, il y a moyen, là. Mais là, elle va être mid-life, là, hein, pas moyen. Hein, donc... Mégalosaure aberrant 95. Non. Oh non, bah lui, je m'approche même pas de lui avec Hope. Hein. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Ok, c'est bon. Allez. Vas-y, Mégalosaure. Tu peux le faire. Oh, vas-y, Mégalosaure. Oh la vache, de quoi je me suis sorti, là? Mais il est incroyable, ce Mégalosaure. Mais oui, mais pourquoi tu lui fais pas confiance? C'est un de mes fils. Ah ouais, la vache. Oh, je suis pris. C'est soit je me bats, soit je tombe. Mais tu me fais pas confiance, hein. Ok.
Ok. Oh la vache, mais incroyable. Mais je suis complètement choqué par la puissance du mégalosaure. Hein. Pour moi, c'est une découverte sur aberration, le mégalosaure. Enfin, j'en avais déjà tamé ça pour le coup. Mais comme on a l'habitude d'avoir des T-Rex, des trucs et tout. Et puis que les mégalosaures c'est en cave, bah tu vois, on se dit pas, oh tiens, je vais aller tamer un mégalosaure, on s'en fout un peu quoi. Ok, bien Lola, on a pu régénérer un petit peu les dinos, ça se passe bien. Ouais. Vu qu'on est tranquille, je vais pouvoir cryo notre petit mégalosaure. Et franchement, lui, hein, c'est. Waouh. C'est vraiment mon choc, hein, je suis. Ok, je vais reprendre Hope, ça va, tu le gères bien du coup? Ouais, ça va. Hein. Oh, ok, super. Super, super, je vais lui remettre. Je les régène un petit peu aussi. Ouais, super. Attends, mais elle a pris 14 points! Oui. Oh la vache! Ah bah j'ai tapé, hein, elle était mid. Ah ok, 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 on va lui mettre 2000 en énergie, puis on va lui monter un peu sa vie, t'as raison. Hein. Oh, une petite arbalète verte, Lola, dans son corps, si tu veux. Ah ouais? Ouais. Ouais, je veux bien, ouais. Allez, prends-la, c'est cadeau. Tu l'as mérité, t'as préservé Hope. Je te prends un peu de polymère aussi, tiens, j'en ai besoin. Vas-y, prends. Bon, nous, il faut qu'on retourne là-bas. Ok, c'est bon, j'ai vu sur le biome vert. Ok, impeccable. Faut juste pas que... Ouais, droit devant, là. Ouais. Ok. Ok, c'est bon, les amis. On est sains et saufs. On s'est fait une petite frayeur, quand même. Hein. Une petite, mais ça va. On s'en est tiré d'affaire. Hope va très bien, elle a même pris beaucoup de points, c'était sa première petite sortie. Et ben voilà pour notre petite Hope, ça fait plaisir. Et je trouve aussi que je commence à m'améliorer dans le pilotage. Et puis le fait qu'elle ait plus d'énergie, bah forcément ça aide à tenir plus longtemps dans les airs. Donc ça c'est plutôt pas mal, merci à l'abonné hein, qui m'a dit dans les commentaires de mettre le paquet en énergie pour pouvoir planer plus longtemps. Ça m'aura bien aidé pour cet épisode. Lola, je te dépose chez toi ? Oh, je veux bien. Merci beaucoup, en tout cas. Hein, voilà, on arrive chez toi. Merci à toi. Saine et sauve. Merci, merci. Eh ben, c'est parfait. Je vais en profiter. Ça fait toujours du bien de retourner à la maison. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y a toujours un petit côté rassurant. Ma chère Lola, tu m'avais offert un ravageur bleu. Et je ferais bien une petite repro avec mon autre ravageur. C'est laquelle, du coup ? Ouais. J'en ai deux, du coup, tu choisis celui que tu veux. Ah bah regarde. Non, c'est celle de... tu m'en avais offert une. Hey, t'as vu que t'as smoke chez toi ? Tu t'en es pas rendu compte ? Si, si. Elle est où ? Elle est là. Elle est là ? Il me semblait bien que j'avais vu. Ah, elle est là, ok, voilà. Elle est là. Ah bah écoute, la petite smoke. Bah, écoute, si tu veux la garder pour de la repro ou quoi, là... ouais, non, c'est pas ouf. Non, vas-y, récupère-la. Ok, ça marche. Ouais, non, mais je voudrais pas qu'elle meure sur mon terrain et qu'après tu me dises « Oh Lola, là, tu viens de mes dinos !» Ok. Et donc, du coup, c'est lequel de petits dots que je récupère bleu ? Celui que tu veux, c'est vraiment quasiment les mêmes. Il y en a un... Ouais, prends celui-là, c'est un 39 avec un muta... Ouais, t'es sûr ? Faut que tu prennes celui-là. Ouais. Ok. Comme ça, je vais pouvoir la repro avec mon mal. Mais... Bah, faudra juste que tu me le redonnes parce que pour avoir le 39... Et la petite muta en attaque aussi, mais moi je suis sur les mégalosaures, n'importe quoi, les mégalosaures en ce moment. Donc, Ouah, tu vas nous faire des mégalosaures roses pour aller voir ton papa. Ça va être incroyable. Donc c'est toi qui t'occupes des dinos pour les boss alors hein. Bah apparemment hein. Ouais, ah bah oui. Ah bah oui. Je me suis lancé dedans, cette donc fois c'est toi. Moi. Voilà. Comme, je vous le rappelle pour ceux qui sont pas au courant, mais sur Discord, Lola, elle s'appelle Lola Rockwell. Donc ici, on est sur la map de son daron. Donc voilà, c'est elle qui... Petit papouiné. Voilà. Papouiné. Allez, je te cryo, je t'embarque avec moi, Lola. Viens. Ok. Hop. Voilà. Hop là, c'est bon, c'est cryo. Bon, écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles pas. Ça marche ? Je vais t'occuper, okay, là. Ok, ça marche. Voilà. Allez. À bientôt. À bientôt. Et merci beaucoup pour cette petite promenade, Lola. C'était un vrai régal. Hop, hop, voilà, j'ai encore des progrès à faire avec le rock drive. Et on arrive à la maison, les amis. Et ça fait plaisir. Hein. Attends, cette balade, elle était sympa, mais c'était un peu sport quand même. Hein. Et l'avantage, c'est qu'avec le rock drive, comment on monte beaucoup plus vite, ça fait plaisir. Allez, t'en vas pas. Bon, bah, t'as bien bossé, t'as pris beaucoup de level. Ça c'est bon, ça. Ah, petit bébé Rock Drake est devenu grand. Level 172. Bon, ça commence à être bien. Ça serait bien qu'on trouve une autre Rock Drake quand même pour vite la repro. Et aussi lui augmenter sa stat d'attaque, hein, que ça puisse croquer un petit peu plus. Une bonne stat de vie aussi, ça serait pas du luxe. Et là, franchement, on serait pas mal. Hein, Diego, qu'est-ce que t'en penses ?
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, ici, le mégalosaure. Ah, le méga... lui, il a donné. Ah, lui, il a donné, 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 donné. Tu vas te mettre bien à côté de la mangeoire, c'est bon, tu as bien accès à la mangeoire. On va te rapprocher quand même. Hein. Hop, voilà. Alors que tu manges un petit bout, toi, quand même. Hein. Ah, là, t'as pris des... Ok. Oh là là, la muta de Lola bleue, là, me régale. On peut dire merci à Lola pour la muta bleue. Et du coup, et ça c'est Smoke. Alors c'est lui que je voulais vous montrer. Regardez. Et le pire c'est que j'ai failli ne pas le tamer. Je me suis dit, oh flemme, de toute façon on a que des stats nuls. Et là regardez, 55 vies. 55 vies. En fait il avait un 35 ou 36 en vie en sauvage. Alors là je me suis dit, bon. Et je me suis dit, bon. Et encore le pire c'est que j'avais la flemme parce que j'allais limite arrêter de jouer en fait. Donc c'était vraiment... c'était vraiment... voilà quoi. On était vraiment à deux doigts de passer à côté. Et en plus, avec ce mâle qui est bleu... Ah, ça commence à être intéressant, cette histoire. Qu'est-ce qu'on a là comme stat de cool? On n'en a aucune hein, qui est vraiment cool. Au niveau de la vie, par contre, 55. Et en attaque, pas top, hein, ni l'un ni l'autre. Ah, celui-ci a 36 en attaque. Mais je crois qu'ici, voilà. Ici, on a une femelle avec le 44 attaque. Donc, ce que je tenterai de faire... c'est de faire ce mâle du coup, le reproduire avec celle-là, histoire d'avoir le 55 vie et le 40 et le 44 attaque. Et une fois qu'on aura le 44 attaque, on ira chercher la couleur. Une fois qu'on aura rassemblé, voilà. Ensuite, on ira chercher la petite couleur d'ici, puis on essaiera de faire développer encore un petit peu avec quelques petites mutas supplémentaires. Et pourquoi pas continuer à chercher un dino qui a encore une meilleure stat en attaque. Et peut-être même une belle stat en poids. Parce que là, stat en poids, on a 38 sur la bleue. Donc bon. Et j'en ai pas d'autres. Hein, j'en ai pas d'autres. Ah si, Smoke. T'as combien en poids toi? 32. Ah oui, toi t'as rien d'intéressant ma petite Smoke. Hein. Toi t'es vraiment le petit ravageur de maison quoi. Hein. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. J'avais complètement oublié que je pouvais me mettre en transparent avec... Oh là 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 là. J'avais complètement oublié ce détail, je ne l'ai même pas fait de l'épisode. J'aurais pu le faire en balade pour esquiver les dinos. Et peut-être, est-ce que ça esquive les Nameless? Peut-être aussi. Ah, on saura pour la prochaine fois. Eh ben dis donc, on dirait une goutte d'eau. C'est magnifique. J'adore cet animal, franchement, incroyable. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Les amis, c'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao !